fait spécial. Mais le spécial et réunion ça au niveau du ministère des Finances. Nous avons un ministre de planification qui était là. Et nous avons un directeur Fatma qui était là. Dans le discours solennel que le président de la République a présenté dans le Parlement, jour qui était 8 janvier 2018, il était passé instruction par le Premier ministre là, pour nous régler la question de prime, arriéré de prime pour les policiers. Ensuite, deuxièmement, c'est arriéré de promotion pour les policiers. Ça qui est un problème majeur dans la police. Là. Parce que comme nous connaissons, les ressources sont très difficiles et il faut nous essayer de joindre les ressources pour nous faire arriérer de promotion. Nous avons une réunion qui a fait la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine. Côté que, selon les ressources que nous avons, nous devons régler le problème, ça, que nous devons mettre à jour, c'est que toute police qui est grade, nous devons toucher comme en rapport avec radio. Et puis, en ce qui concerne arriérer eux-mêmes, nous devons voir dans quelle mesure. Dans le cadre du budget rectificatif, nous allons commencer à toucher à Arriéreo. Et puis dans le cadre du budget 2018-2019, nous allons résoudre le problème d'Arriéreo de façon définitive. Ensuite, deuxième point que nous discutons de points en ce qui concerne, n'est-ce pas vrai, les policiers ont tombé le mourir et que Fomini n'a pas joué l'assistance. Donc, qu'on y a, au niveau de la PNH, il y a bien pour y a payer. Pas payé, mais il y a bien pour y cotiser au niveau de l'OFATMA et comme ça, l'OFATMA prend une fois pour tout, n'est-ce pas vrai, genre de problème ça. Et puis nous parlons de questions d'intérêt général, nous connaissons que la police nationale a fait un pile effort et nous-mêmes au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous allons essayer de joindre des ressources pour nous équiper la police, là, n'est-ce pas vrai, hôpital de police, là, nous avons ministre de planification qui était là trop avec nous. Nous avons la possibilité pour nous dégager aux alentours de 2 millions de dollars américains pour nous finir l'hôpital de police. Là. D'accord? Et puis, nous avons de bonnes informations que la police a voté pour nous. Par exemple, des informations qui sont très très importantes en sécurité en ce qui concerne la question de douane, parce que la police frontalière là, que nous déployons au niveau de frontières, elle a commencé par résultat. Côté que nous commençons à mettre main sur le monde qui a fait trafic d'âme. Des armes que nous commençons à saisir, des conteneurs qui sont bloqués, que nous saisissons tout, qui tapent fait dans le cadre contrebande, nous pensons que c'est vraiment bonne nouvelle pour la société. Merci, monsieur le président. Le corps est en train de s'appeler, je vais vous faire son vote et son vote. Merci, monsieur le président. Par ailleurs, nous avons un peu de prix et toute la performance dans le programme de sous-traitement. Nous allons faire la nécessité, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de la Chambre des députés,
on peut quoi dire à l'informateur haïtien à l'âge. En acte, nous nous souscrivons au principe qui régisse le fonctionnement du groupe et à sa déclaration politique. Le député sénateur, honorable député Gaïs Sibylle, honorable député Alien Chris, honorable député Hippolyte Jean-Luxon, honorable député Ralph Papillon, honorable député Jacques Duhaumier, honorable député Jean-Pierre Jean, honorable député Bastien Jean-Pierre, honorable député Pérez Wong, honorable député Emmanuel Chéri, honorable député Bonhomme Ripani, honorable député honorable député La Porte Chabord, honorable député Étienne Roulal, honorable député Ivan Gershon, honorable député Élisabeth Bernard, honorable député Paris Platinus, honorable député Louis Chopin, honorable député Fred Piton, honorable député de la Cause Francis, honorable député Patrick Norzelis, honorable député Joseph Prévoir Laguerre, honorable député Étienne Jean, honorable député Dupin-Yves, honorable député Bertin Augustin, honorable député Ladis Saint-Jean, Ladis Saint-Jean lundi. Honorable député, honorable député Jean-Michel Moïse, honorable député Joseph Antonio Benigan, honorable député Jean-Jacques-Henri, honorable député Daniel Le Temps. Honorable député Ville-Paul Herman, honorable député Samuel Dainty, honorable député Mathieu Hilma, honorable député Florian Elisma, honorable député Paulinus Philippe, honorable député Ronald Poussin, honorable député Kevin Jacques, honorable député Pierre Brunet, honorable député Bertrand Lundi, honorable député Alexandre Jean-Baptiste, honorable député Victor Préval,
du dépôt, d'avenir du droit, vérité
au pouvoir réel. Des blocs politiques, nous, les signataires de la présente, avons décidé de former un bloc politique dénommé groupe des parlementaires pour la stabilité ayant pour sigle GPS. Ce groupe a pour objectif la création d'un cadre d'équilibre au Parlement entre les groupes majoritaires et minoritaires, porter les dossiers d'intérêt nationaux, faciliter des débats pour la victoire avec efficacité. Le bloc est dirigé par un directoire composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de deux conseillers. Les composants du bloc, les honorables députés suivants, Deus Dironet, Pierre Micalet, Benoît Vanderie, Aspen Jean, Jacques Guerrier, Hiverno Guerrier, Le Mans Premier, Claude Luc Guillaume, Maurice Sifreux, Pierre Leloiseau, Exinor Emmanuel, Olivier Rochel, Franck Lauture et Président, nous prenons précaution pour nous participer nos 5 autres députés jusqu'à ce que nous ne pouvons pas arriver confirmer pour nous, parce que nous avons inscrit directement avec 18 députés, mais il y a 5 autres qui partent dans la salle là, qui ne vont pas être confirmés. Donc vous allez nous parler de comme vous voulez. Merci, je demande à vous accorder d'abord et je demande aux autres blocs de se manifester, aux autres présidents. Merci pour nos secrétaires. Donc, sur ce, j'appelle le président de bloc nouvellement inscrit, à savoir Jacob Adriach, au bureau de l'Allié, au bureau de l'Unité et Allié, le bloc Jacob Adriach, au bureau de l'Unité et Allié, je le laisse pour consultation auprès du ministre de l'Unité. Vont se joindre, si vous voulez, à la salle de commission pour pouvoir trouver le consensus autour de la formation de la politique. Bon, d'abord, il faut dire que ma félicité pour le BDT, toutes ces conscriptions confondues, mais pour une fois, l'inspecteur de l'intérieur est venu à l'heure, à 11h précise, conformément à nos règlements intérieurs, qui voulait que séance soit ici à 11h du matin. Donc, tout début qui était là, donc nous faisons séance là, pour nous être capables. Nous premier temps inscrit bloc politique, on est sans bloc politique. Et pour qu'on voit mon travail parlementaire là pour commencer. Dans un second temps, après inscription des blocs politiques, nous avons désormais 4 blocs politiques à la Chambre. C'est GPEP, GPI, OPLVIT Allié et le bloc majoritaire APH, Alliance Parlementaire pour Haïti. GPS. Merci, parce que GPI n'a pas manifesté malheureusement. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais GPI n'a pas manifesté. Donc, il y a 4 blocs désormais. Donc, je disais. Non, donc là, il y a un peu de débat. Donc, ça a beaucoup mal. Et des débats ont beaucoup manifesté. Donc, nous-mêmes, comme ça, facilitons. Et commission, c'est pouvoir par séparer président, commission, vice-président, secrétaire, rapporteur. Donc, séance, ça, il y a une séance lose. Donc, président, mettez séance en continuation. Donc, nous voyons, président Blocio, adjoint le consensus dans le temps. Donc, on a 20 commissions dans la chambre, donc pour regarder qui est par rapport à champ de compétences, par rapport à affinité politique. En tenant compte aussi
de ratio nous connaissons, parce que le bloc majoritaire est déjà majoritaire, c'est sûr que la gagné plus commission, donc la fête ainsi de suite. Donc nous voulons ajouter un accord sur des accords pour que rapidement nous mettions chemin au travail. La continuation, pour qu'il demain 11h, donc quel que soit l'heure, je dis à la ma travail pour que M. Damien soumette et nouveau député qui va diriger différentes commissions de chambre. Bon, et je ne fais pas partie de la majorité comme président de la chambre, mais au-dessus de tout le bloc. Donc, nous avons souhaité le Chita, le jeune harmonie. Donc, ça fait je dis à son gros message nouveau de la société. C'est commencé à 11h, tout député était là. Même chez une solidarité, ça nous fait je dis à mettre ensemble nous faire. Parce que la traversée commission et tout, et que plus tard, dans l'après-midi, la presse a publié la liste des commissions à la Chambre des députés. Bon, d'abord, équilibre, c'est dans la qualité des débats. Donc, le réglementé hier a fait une obligation pour nous bailler le bloc minoritaire au palais, et le défi de la réglementé hier là. Donc, le fait que le bloc de 72, il est à 80 députés. Donc, le réglementé hier a clair, les députés ont réuni par affinité par rapport à sa époque, par rapport à l'idéologie, par rapport avec l'affinité politique, j'aime dire. Donc, peut-être que 72 députés, ça y ont entendu une vision claire de l'avenir, donc ils mettent ensemble pour avancer, donc nous féliciter pour le leadership. Et capacité de réunir autant de députés. Bon, le règlement intérieur, c'est pas pour les le règlement intérieur, tout comme constitution, c'est nous-mêmes qui l'avons, c'est des hommes et des femmes de loi, donc nous supposés esclaves de la loi. Donc, à moi, on a maintenant des règlements intérieurs, mais même chaque mardi, mercredi, jeudi, ma place à 11h. C'est un atelier sur recherche stratégique qui aborde différents dans le domaine de la pêche et aquaculture en Haïti. Il est entré dans le cadre d'un projet que nous avons avec le financement de la BID, c'est le projet du renforcement de pêche artisanale. Ouais. C'est un projet qui est censé dans deux départements principaux. Dans le pays, trois départements, c'est Sud-Est, Sud et Grand-Est. Et le projet a devenu plus intensité après le passage de Cyprien Mathieu. Si vous êtes capable, il y a de cela un mois, mais de passage dans Côte-Sud-là, particulièrement à Chabonnière, côté de 10, distribuer des matériels de pêche, tant que des bateaux, des kits de pêche, tout ça, c'est dans le cadre du projet ça qui est financé par la BID, c'est un projet qui a commencé depuis 2015, la fin en 2020, et c'est pour un montant de 16 millions de dollars, 15 millions de la BID et 1 million de contrepartie. Donc nous passons à l'autre étape assez importante, c'est-à-dire que côté que nous venons aborder le domaine de la recherche appliquée dans le domaine de la pêche et aquaculture. Et nous sommes capables de rappeler nous tous, pêche et aquaculture, c'est un secteur qui pèse vraiment lourdement dans la feuille de route que le gouvernement Maurice Lafontaine est sous notre ministère. Parce que c'est un secteur qui a une importance capitale dans le cadre du développement socio-économique pays, puisqu'il y touchait environ 54 000 familles réparties sur près de 500 localités qui trouvaient sous 1535 km de côte que nous avons. Donc, le poids à tenir. Et après, ces trois instituts qui vraiment ont grand peu d'expérience dans la recherche, tant que l'Institut de recherche et de développement, IRD, gain IFRAMER et University of West Indies. Après toute résolution, ça, on n'a pas attendu que d'abord il y ait un gros apport dans le cadre du renforcement de capacités institutionnelles, d'abord, puisque nous avons un pile et assistance là, les formés de cadres qui travaillent dans le domaine de la pêche, les formés d'associations de pêche et éléments partout. Et après, il y a des résolutions en capant que nous pouvons mettre en application dans le cadre
de ce projet, toujours avec le financement de l'ABID. Le programme de développement pêche là, d'abord, il y a un renforcement de capacité des différents acteurs de la filière, comme acteurs de la filière, tout pour voir le pêcheur. Et bien, son programme qui est non seulement pêcheur, il est marchand et tout, ouais. Il y a un renforcement en cas de matériel de pêche, ouais. Il y a un renforcement en termes de capacité de conservation, parce que nous connaissons pêche là, son secteur très fragile à cause de vulnérabilité et produits de pêcheurs. Donc, pour GA, l'hypothèse ont appui en termes de matériel de conservation de pêche. Non ciblé ensemble des départements ou bien seulement la... Non, non, jusqu'à présent, nous sommes en sud, sud-est et Gandas. Projet ça, l'objectif, c'est améliorer les revenus des pêcheurs dans la zone d'intervention du programme, qui c'est le département du sud-est, du sud et de la Gandas. Et la peut exécuter dans 7 communes dans le département du Sud, 7 communes dans le département de la Gadance et 8 communes dans le département du Sud-Est. C'est un projet qui a une durée de vie de 5 ans, qui a commencé depuis 2015, mais qui a pris fin en 2020. Et le projet a bénéficié d'un financement de 15 millions de dollars par la Banque interaméricaine de développement avec une contribution partie du gouvernement qui est estimé à 1 500 000 dollars. Nous, en 2010, le ministère de l'Agriculture a relayé un plan de développement de la pêche et de l'aquaculture. Et le plan de développement, ça, en 2011, nous avons renforcé ou bien ficelé le côté de l'Agriculture, un projet d'investissement dans le secteur de la pêche maritime. C'est à partir de ces deux grands documents que le projet de développement de la pêche artisanale a pris naissance, qui est un projet qui va bien pile retomber sur le secteur pêche-là, mais surtout dans le département du sud-est, du sud et de la Gandas. C'est un projet qui a trois composantes. La première composante là, divisée au renforcement institutionnel et du système de formation, c'est-à-dire la mise en place d'un système de collecte de données permanentes qui est important pour tout le secteur, parce que sans données, nous n'avons pas qu'à prendre de bonnes décisions. Et mise à jour du cadre légal là, qui date de 1978, qui a des bons bagages là-dedans, mais qui méritait adapter. Et nous avons ça et tout, et les conditions sanitaires que nous allons mettre en place, et renforcer mettre en place un système de conditions sanitaires et des produits halieutiques. Et nous avons une deuxième composante qui c'est la mise en place d'infrastructures de conservation. Si on a produit, si on a amélioré la production, mais il faut des moyens pour nous conserver, permettre que les consommateurs soient capables de bénéficier de produits de meilleure qualité. Ça, c'est la deuxième composante là. Une troisième composante qui est très importante, c'est le renforcement des capacités des acteurs locaux. Côté, on a mis en place une stratégie de renforcement organisationnel. Nous avons une pile d'association dans le pays, mais qui n'est pas structurée. Mais à travers le programme, ça, on a mis que nous capables de mieux contribuer dans le développement sectoriel. Et la troisième composante, ça, tout bon, l'autre aspect qui est important, c'est le programme de cofinancement. Cofinancement qui est là-dedans, l'accès à bateaux, moteurs et congélateurs solaires, des glacières. Mais ça n'a fait, l'association pour bénéficier d'équipements, il n'y a pas encore de partie. Dans le passé, l'homme n'a pas contribué, il n'a pas bâillé matériel, toute importance qu'il y a. Maintenant, nous exigeons une contrepartie qui n'est pas en pile. Maintenant, pour responsabiliser toute association par rapport à entretien, par rapport à gestion, équipement SAO qui va le servir au bénéfice de toute association et dans la zone d'intervention programme. Nous allons continuer à poursuivre cette collaboration avec le nouveau directeur pour permettre à ce que nous puissions atteindre beaucoup plus de résultats pour permettre au pays d'être très visible par rapport aux efforts qui sont consentis pour manifester sa collaboration dans tout ce qui est actuellement la stratégie mondiale de sécurité sanitaire internationale. Donc nous allons continuer à contribuer à ça. Nous remercions directement à tout le personnel ici présent, okay, pour leur collaboration. Et je vous félicite pour cet accomplissement et cette confiance que vous avez placée en nous. Soyez tous assurés du soutien de la collaboration que vous apportez au sujet de la gouvernance et du renforcement de leadership de notre pays à ce poste. Merci pour ce long de travail, si vous souhaitez.
Je sais que tu as toujours un rêve, parce que je me souviens le premier jour où on s'est rencontré, on a parcouru le pays ensemble, à deux, face au cœur. On a discuté, tu as partagé ton rêve, pour une meilleure. Ce rêve de voir la santé de la population s'améliorer, ce rêve de voir plus de bien-être, plus de prospérité au sein du pays. Donc, c'est une étape de ta vie. Je sais que beaucoup de chemin reste à voir. Nous sommes avec toi. Bonne chance et bon succès. Je ne vais pas remercier Paul pour son apport au système. Donc, si je voulais être reconnaissant, je dirais qu'à un certain moment, il a même participé à ma formation. Parce que malgré la différence d'âge, Paul fut mon professeur à un certain moment de mon parcours. Parce qu'il y a de ces histoires qui vous ramènent un petit peu en arrière. Ceci ne veut pas dire qu'il est mon aîné. Je suis son aîné. Et ceci ne veut pas dire non plus que j'étais à l'école tard. Mais j'ai pris la décision. J'ai pris la décision à un certain moment de ma vie de retourner sur le bord de l'école. Et j'ai eu Paul comme professeur. Je sais qu'il a été un bon collaborateur. Donc vous avez entendu tout à l'heure son introduction pour le docteur Delis. Il vous a dit qu'il l'a pris en main, qu'il l'a pris sous ses aisselles. Ils ont parcouru le pays, mais je dirais sans chauffeur, attitré, parce que probablement un des deux a conduit la voiture qui les a emmenés au quatre coins du pays après les réglementaires. Donc, le ministère de la Santé publique et de la Population par mon organe dit merci au docteur Adrien pour avoir servi le ministère, le pays, la population haïtienne en général. Il ne laisse pas le système. Il l'a dit lui-même, il va se perfectionner. Et nous espérons qu'il va revenir pour mettre encore à disposition de cette population ses nouvelles connaissances. Une population qui attend beaucoup de nous, une population à qui nous devons beaucoup. Quant au docteur Béli, que j'ai appris à connaître récemment, le docteur Adrien vous a déjà vanté ses qualités. J'ajouterai seulement une chose. Il n'est pas que médecin. Il est aussi normalien. Et à ce qualificatif de normalien, ça cible aussi l'adjectif de supérieur chez nous. Donc il est normalien supérieur. Ce que je veux dire, non seulement il est normal, mais il est aussi supérieur. Donc, nous espérons qu'en faisant la jonction entre cette double qualité, entre ces deux qualités, de normalien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait comment faire respecter les normes, si on veut un petit peu anticiper, quelqu'un qui est qui a l'esprit scientifique, parce que les épidémiologistes, c'est ça aussi, c'est remettre en question, c'est juger, c'est analyser. Nous n'avons aucun doute qu'il est à son poste, qu'il est à sa place. Nous attendons beaucoup de lui. Nous lui promettons aussi notre accompagnement. Comme je dis, nous ne pouvons pas au niveau central faire le travail seul. Le travail, il est énorme, inqualifiable certaines fois. Il y a des fois, on ne va même pas venir. Si on n'a pas de bons collaborateurs, si on n'a pas de collaborateurs dévoués qui sont décidés à se mettre à côté de nous pour changer les choses, nous n'allons pas arriver à ce changement-là. Mais ce changement, il ne va pas venir tout seul. Ce changement, il ne va pas venir des autres. Il doit venir voir arriver ce changement. Merci à tous les partenaires qui ont toujours supporté la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche. Nous savons que nous pouvons encore compter sur eux. Merci à vous, cadres de cette direction, vous qui allez apporter, je ne doute pas, votre pleine collaboration au nouveau directeur, à qui je dirais quand même d'être à l'écoute, d'être ouvert, d'être proche de ses collaborateurs, du plus petit jusqu'au plus grand. Et je ne parle pas dans le sens physique du terme, je parle dans le sens de responsabilité. Il y a une information que le gardien peut vous donner, et c'est cette information-là qui va vous permettre de faire la différence. Ne négligez aucun de vos collaborateurs. Soyez plutôt un serviteur, soyez à leur service, comme on dit souvent chez nous, servez plus que de vous faire servir. Bienvenue.
par la direction des Pyrénées. Il m'est cher de prendre la parole en cette cérémonie aujourd'hui comme directeur de la direction d'épidémiologie du laboratoire et de recherche d'EL. Quelle plus grande fierté, quelle plus grande dignité de saluer et de remercier la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Marie Gritawa Clément, mon directeur général, Dr. Laurie Adrien, de la confiance qu'ils ont placée en moi pour occuper ce poste. Ô combien déterminant pour le ministère de la Santé publique et de la Population. Aussi, je saisis l'occasion pour saluer le travail effectué par tous mes prédécesseurs à la tête de la DLR, notamment le docteur Wok Magloire de Regretter Mémoire, docteur Paul Adrien, le directeur sortant, mon professeur, un ardent défenseur des collaborateurs, en plus d'être directeur. Je vous remercie d'avoir jeté les bases d'une DEL axée sur les résultats. Et au docteur Donald Lafontaine, le directeur adjoint, mon encadreur, le premier conseiller, notre bibliothèque ambulante, qui nous a imprégné de la vision d'une DEL solide et efficace, performante à l'échelle nationale, tant qu'internationale. C'est pour moi un grand honneur et une immense délectation d'être aujourd'hui le directeur de la DELR. Je mesure aussi l'immensité et l'ampleur des responsabilités que cette fonction m'incombe à la tête de cette direction dotée d'une mission fondamentale, celle d'assurer la planification de l'action sanitaire, la régulation des normes et procédures, la coordination de l'ensemble des informations reçues sur les principales actions des activités de prévention, de protection et de contrôle des maladies. Je veux promettre à la ministre de la Santé publique et à mon directeur général que ma collaboration sera pleine et entière avec vous et avec les autres entités du ministère en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Sous mon leadership, la DEL, fidèle à sa mission, poursuivra ses objectifs pour rendre disponible, directeur, l'information épidémiologique pour la prise de décision opportune à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Avec ses entités opérationnelles ayant pour fonction essentielle la surveillance épidémiologique, la prévention des maladies, la structuration et réglementation des laboratoires du pays, la gestion informatique des statistiques sanitaires, la promotion, le suivi de l'intégration de la recherche opérationnelle. Aucun effort ne sera trop grand pour que la DLR puisse atteindre ses objectifs. Je voudrais aussi d'entrée jeu, m'adresser humblement aux directions et aux unités du ministère, tant du bureau central que des structures déconcentrées, à savoir les unités d'appui telles UADS, UGP, UEP, UG, unité juridique, les directions telles DPEV, la DPSPE, DSF, DPMMT, DAB, DRH, les unités de coordination, UCP, PNCM, PNLT, PNLS, PNST, l'unité de coordination nationale du programme de nutrition, le centre d'information est dans notre mission. En ce qui concerne la surveillance épidémiologique, aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que le monde constitue un petit village où les citoyens se déplacent constamment. La menace croissante de pandémie liée au virus et aux bactéries enjoint donc les communautés nationales et internationales à adopter des mesures spécifiquement ponctuelles. Haïti, dans la foulée, se voit elle aussi impuissante à s'abriter de l'introduction inopportune d'une souche virale pandémique quelconque.
nous garderons pendant longtemps le souvenir du choléra. Cette faiblesse rend notre pays tout aussi incapable d'enrayer leurs actions meurtrières sur son territoire déjà affaibli de tant d'autres déconvenues de différentes natures. Les expériences de développement de tels sinistres, cela pourrait donc significativement aider à réduire les effets à toute pandémie. Ce n'est pas une mesure qui concerne seulement Haïti. C'est une alerte sanitaire internationale qui bail contre des produits Célia, l'ET, que yo découvert là-dedans un microbe, si nous ne pouvons pas parler comme ça, qui est le salmonelle, qui est responsable de salmonellose, qui est le monde qui consomme l'ET. Ça. Ça que nous dit, c'est que ce n'est pas que nous gagnons des cas de salmonellose liés à l'ET en Haïti. Sauf que dans l'eau que yo dit qui est capable responsable là, yo découvre que gain dans l'eau ça qui est venu à Haïti. Haïti fait partie de pays environ 80 83 pays qui des ressources pour maison qui représentait produit céréal en Haïti qui lui-même était déjà fait notre sortie pour dire population pas consommer et il était relé tout le monde que il mettait produit à la caillou en vente pour retourner produit et yo même était déjà gagné des monde qui a marché ramasser produit qui était déjà en circulation. Mais est-ce que c'est seulement l'être là? C'est pas Nous avons un ensemble de produits. Il est capable pour battre tout que les bactéries sont dans l'usine, donc il a contaminé le produit. Et en ce sens, il y a une mesure que vous prenez, qui c'est peut-être une mesure qui est drastique, c'est que vous demandez l'usine qui a produit, qui a fabriqué le clairement, que vous identifiez une quantité de lait qui probablement a contaminé. Et comme dans l'eau que vous incriminez, il y a la dame qui est venue en Haïti, quand vous venez dans l'autre pays, donc tout pays qui peut recevoir dans l'eau, vous prenez une mesure de prévention, ça nous dit que. Population, pas consommer les yeux de l'acheter, pas continuer à acheter les yeux pour acheter, et distributeur qui est responsable de distribuer l'être là, pour lui faire l'appel, c'est-à-dire pour lui apprendre tout côté qu'elle débaille. Une petite précision, je vais essayer pour vous. En général, pour certains produits, quand on médicaments ou des bagages comme ça, l'agence de distribution fait ça nous les mises en consignation. Ça veut dire que ça veut dire que ce n'est pas des produits que souvent nous devons acheter pour aller revendre. C'est des produits que vous mettez dans le commerce pour vendre et au fur et à mesure qu'il y a venu chercher comme là. En ce sens, les gens qui ont des produits pour vendre, les patates posent un problème pour retourner. Parce que souvent, ce n'est pas l'argent que vous investi qui a perdu. Son commerce que vous avez fait, vous avez vendre pour le monde et puis pour vous n'avez pas touché. Donc, les gens qui vont vendre, ils ne veulent pas vendre la venue chercher à faire. Donc, vous juste mettre les gens à faire. Et si jamais il y a des gens qui ont été payés pour produire, mais ils ont remboursé. Donc c'est ça, et maison elle-même n'est pas perdu comme là parce que c'est manufacturé, c'est une usine qui fait là, qui dit rappelez. Donc autrement dit, son remboursement en chaîne. Donc personne n'a perdu rien. Seul monde qui a perdu, c'est population, hein, s'il continue à faire tête raide, consommer produit. Malgré que, je vais répéter encore, je dis encore n'a pas là, pas gagné des cas de maladie en Haïti qui liés à la consommation d'être là. Nous connaissons, je dis à ces petits gens qui consomment l'être ça, est-ce que nous avons une idée comment les manifester les bactéries ça? Ok, ça nous est le salmonellose. Si nous voulons, pour nous avoir une question simple, typhoïdes sont salmonellose. Ok, il y a plusieurs types de salmonelle. Donc c'est pour ça que les ensemble de maladies que salmonelle est le salmonellose, le salmonelle latifi, mais c'est des détails techniques et scientifiques que nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Et tout le monde en Haïti, qui compte de parler de fièvre typhoïde. Il y a un premier bagage, d'abord c'est la fièvre là, donc c'est pour ça que c'est la fièvre. Ensuite, on a diarrhée, on a fait mal, on a des troubles gastro-intestinaux, pour ne pas parler dans des termes trop techniques. Mais ça qui est important, l'être là, sont l'être qui est faite pour consommation de timoun. Donc, on connaît timoun là, son entité qui est beaucoup plus fragile par ces gros mouns.
Donc nous pas remettre que mon yo albaiti mon yo consommer l'être là pour ta venir éventuellement malade. Bon, apparemment que là en Haïti, il y a grand monde qui qu'on amuse à boire l'être timon. Donc c'est pour ça que nous parler à toute population hein, parce que salmonellose là, les cap prendre ni grand monde ni timon. Fabricant dit il fait pour timon, mais c'est pour grand monde qui prend mon compte boire parce que sont l'être en poudre. Grand monde n'a pas de donc nous demandons même pour grand monde pour ne pas consommer l'exemple. Si nous qui fait le venir, lui dit retourner le bon moi, lui dit qu'il n'y a pas de commande de l'accord. Côté y a produit là, il y a une campagne de production. Donc, tu as supposé pas gagner encore qui est en production, donc il n'y a pas supposé rentrer sur le marché. Ça vous a posé une question pour t'apposer, mais moi-même, question m'a posé tout le monde de la population, c'est. Nous connaissons les sources d'entrée officielles. Ça veut dire qu'il y a une maison qui officiellement représente les produits. Maintenant, si il y a d'autres sources d'entrée, ça c'est autre chose. Ce qui n'est pas le cas pendant ma parole avec vous là. Un budget estimatif, mais jusqu'à présent, nous pas gagner l'argent en soi, nous pas gagner, mais comme nous confirmons l'année passée déjà, nous toujours prenons contact avec des institutions, des entreprises et pourquoi pas des particuliers qui toujours répondent de façon positive et pour comment on est capable de protocoler dans la réalisation Carnaval Carrefour. Si nous apprenons et monde qui combat nos aides, ça les sponsors au niveau de la ville de Carrefour. Et il est vrai, il n'y a pas de support financier, mais là, nous apprenons CME, là, nous apprenons MTPTC, il y a toujours une présence qui est vraiment, vraiment importante, non seulement pour les vêtements, route là, pour capable faciliter les chariots circuler, et sans nous pas oublier tout, pour prêter CME toujours une assistance avant Carnaval, et pourquoi pas pendant et après Carnaval là. Pour nous porter et porter à nous notre pari au niveau de la ville. Donc, nous disons merci déjà pour la collaboration au Pralbano parce que l'année passée déjà, on a toujours fait preuve de collaboration qui est toujours très satisfaisante pour la mairie de Carrefour. Les inscriptions ont été déjà lancées, donc nous avons gagné depuis hier lundi à quitter 15. Nous avons ouvert l'inscription, bon à pied, groupes musicaux, artistes, nous avons DJ, tout le monde qui est capable d'implémenter le carnaval là. Nous avons lancé l'invitation pour inscription, donc c'est sûr depuis l'inscription a commencé, elle continue jeudi, elle a continué encore demain jusqu'à vendredi, cap 19. Donc jusqu'à présent, réaction très positive. Et nous connaissons qu'en fond, c'est une ville culturelle. Et non pas dire pour protéger l'usée à l'autre ville, mais qu'en fond, on a toujours été en référence. Donc jusqu'à présent, population, tout le monde qui est capable de porter coller à carnaval là, il répond très positivement. Jeudi, nous lançons un séminaire sur le dépannage téléphone. Mais le séminaire, ça, il y a plusieurs broches là-dedans. Il y a un dépannage téléphone, il y a un fer liquide, il y a un apprendre le monde coude, il y a un fer chlorox savon, il y a pour faire plusieurs activités. C'est des séminaires que nous avons agrandi et enrichi cette jeunesse là. Comment que nous-mêmes nous faisons un plus jeune garçon devant le ministère, ils regardent comme mangeant. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, on arrête et humilié. Mais bah, je n'ai pas une chance tout pour attendre, pour qu'on ait un problème qui a passé. Le point que jeune garçon qui est madame, qui est petite, et qui est problème comme caille, et des fois tout, qui t'a même mangé le matin. Et bien, les salles, on fait sous dynamé. Et nous avons une petite table que nous avons mettre. Il va besoin de l'État encore. Il va besoin de monde pour aller au temps de Fatra. Parce que Dieu c'est monde. Il dit ah bah manger, il pas manger encore. Et avec des ministres, le secteur général qui attendait, moi-même Charles Lesti, comme le ministère de l'Intérieur, nous dit, jeune Sao, il y a une pile de possibilités, jeune Sao, il est capable. Et nous demandons encadrer, nous demandons de accompagner. C'est pour raison ça qui fait que nous lançons une formation de 10 000 jeunes et nous prenons 4 000 jeunes dans l'Ouest et nous prenons jeunes dans la façon pour nous montrer jeunesse là. Pour une grande initiative ça, qui est pour former une série de jeunes, je veux dire, nous faisons théorie et nous faisons pratique.
Et nous sommes tous les candidats qui parlent au Mounio, on fait à souder. Et puis, pour Mounsao, capable de prendre la ria. Mais dans l'optique, ça nous même aujourd'hui, on a pris information, ça, qui n'a vive information, hein, qui n'a pas pris. Moi-même, j'ai plus de bagages qui ont capté dans l'information. Hein. Parce que vous parlez des bottes de téléphone, vous parlez des téléphones dans le chauffé, il y a une attaque moteur, vous parlez des. Le téléphone gen pan écouteur et puis le gen pan micro a dit que go paquet bagay mwen gen apprendre jodi a la et ça veut moi m'a mandé moun responsable yo pou yo toujours capable bay regarder organisation qui c'est Gilles pou yo capable toujours capable bay support même j'ai dit avec des 10 000 jeunes dans société pour capable avancer. De l'âme dans 53 années. Si Cop n'a pas touché, elle va organiser un lien pour nous. Bon, coulier là, c'est coulier là, Cop l'a obligé de monter 70 dollars. Mais pas Cop n'a pas touché. Et pas Cop lié, et pas Cop lié. Même une de série de frères, nous, quatre messieurs qui mourent, qui mourent deux points. L'eau en va à Rio, l'entre sous Rio, si Kobe a touché, pas qu'à organiser un pour eux. Il y a bien madame, il y a bien madame, il y a bien petite. Koulié là, c'est le gouvernement pour connaître qui ça l'a fait pour nous, avec nous-mêmes qui derrière, parce que nous pas qu'à organiser un. Est-ce qu'il y a enterrement 4 minutes? Non, enterrement pour qu'on fait. Quelles conditions nous demandons? Nous demandons pour nous prendre à cadrer nous. Pour nous encadrer, nous, comme travailleurs, qui travaillent dans le droit, parce que nous sommes de, plusieurs de travailleurs qui travaillent, mais pas rien organisé pour nous. Parce que c'est redit après redit, et nous-mêmes, travail, ça n'a fait, nous protéger plusieurs de monde qui n'ont la rue, qui travaillent. Parce que l'aide doit monter. Nous avons envahi entre la caille, nous avons tout le monde, considère que là, nous-mêmes qui travaillons là, nous supposons encadrer nous. Oui, travailler, il n'y a pas un cadeau, il n'y a pas de toucher. Oui, quand il est lié pour même bonne mission de l'homme, nous ne pouvons pas toucher. Est-ce que le corps n'a pas touché? La valeur est chargée. Tel que les gens ne sont pas en train de faire, bon, nous ne pouvons pas faire ça pour nous. Les partisans sont morts, les frères, nous avons de l'eau, nous travaillons ensemble. Bon, si les gens qui nous ont quittés, bon, ça m'a dit pour nous, ils ont appris à être morts, les petits morts normal. Académiquement, tout le monde est normal. Pour quand tu arrives dans l'âge, pas pour aider. Jusqu'à ce que 4 fois nous saillons, nous avons glace, la glace, nous ne pouvons jamais joindre rien qui sortit en faveur de nous-mêmes. Et nous quitté tout le monde, de mon papa qui mourut, quitté 6 timons. 6 timons, ça a lagué des bras balancés dans la rue. Jusqu'à ce que l'État ne peut prendre une disposition claire à mon qui mourut. Élément ça, c'est eux qui offrent tout eux-mêmes avec l'État, mais l'État parle au frio. Tout yon même tout, ou ta fait réciproque ensemble avec les camarades. Lorsque vous on est grand, les jeunes, pour le fouet col dans tout rego, pour la ramasser fatra, c'est pour bagaille. Mais l'État t'a supposé comprendre.